C'est reparti. Est-ce que j'ai récupéré des âmes? Je ne pense pas. C'est tout bon. 5000 âmes. Est-ce que toi, t'as quelque chose à me filer? Je peux en acheter qu'un seul. Barre d'endurance, c'était un peu. Non. On va augmenter quand même peut-être la barre de vie parce que. Je pense que ce serait pas mal et la chance, je la montrerai à 10 après. La voix du Seigneur. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, nous sommes tous réunis pour découper les gens en cœur. En avant, Guingamp! Éclat de pierre solide. Les objets d'en dessous, je les ai déjà récupérés. Toutes les âmes, je récupérerai après. Catalyseur en bois pour plaisir. Je crois que d'ailleurs que catalyseur en argent, je crois que le catalyseur en bois. Ah non, il est moins bien. Non, j'ai rien dit. Je crois qu'il y avait une histoire où c'est, il y a une zone, je me rappelle que tout à l'heure, enfin tout à l'heure quand on avait fait l'essai hier du jeu, on pouvait lui balancer une petite flèche de dame dans le cul. Et là faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des loups dans le coin. Je crois que là il y a un copain à gauche, ouais. Un objet facile à récupérer, c'est qu'il y a toujours une couille dans le coin. À gauche, à droite, à gauche, à gauche. Non. C'est dedans. La cuirasse du chevalier bleu. Reste concentré.
Désolé mon beau. Vous trouverez peut-être. La clé mort qui est jolie. Et moi aussi, miaou miaou. J'ai raté. Faut que je trouve le bon timing pour shooter, mais de base on peut le faire comme dans les, comme dans l'autre Dark Souls où tu tirais dans la queue qui bougeait quand petit à petit. Non, putain, one shot, sérieux? Descends ton shot. Non, descends le shot, tu me griffes là. Ah, oh, putain, tu fais mal. Putain de patate. T'es une grosse patate. Oui, bah, tu pars. Oh, t'es une grosse patate. J'ai eu à l'arc, mais pas de cette tour là. Ah! Et tu te. C'est, elle donne quoi déjà? Parce que je sais que dans les autres, tu chopais l'épée draconique. Mais je sais plus de ce qu'il donne celui-là. On va quand même essayer d'assurer un peu, au moins récupérer les âmes, ce serait con. Parce que là, c'est une zone qui donne pas beaucoup d'âmes. Ah, t'as peut-être chopé de la première tour d'ici, peut-être. Et t'as fait beaucoup de flèches ou pas? Je regardais pas. La tête de cette tour, tu veux dire. Sans 60 flèches. Ok. C'est bon. Je vais pas aller tout de suite. Hein.
Faut que je retrouve le marchand qui vend des... qui vend des flèches. Il faut jouer en Nexus, ils vendent des flèches. Ok. Ah, il va falloir que tu viennes régulièrement, ma pauvre Miss. Hein. Le petit cristallin qu'il faut surtout pas rater. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, on va aller sortir le petit boss, hein. Ça sert à rien que je mette un truc bleu maintenant. Je vais prendre les verres en petite quantité. C'est tout, j'ai rien besoin de plus. Je vais finir, tac, les petits points de vie faciles. Et go, allez, nouveau boss. Le gardien de la tour. Oh, donc la strat la plus simple évidemment pour éviter de se faire emmerder, c'est d'aller buter ces foutus archers. Restez quand même bien sur la bordure de gauche pour éviter de vous prendre des les ondes de choc de la magie du gardien. Donc avec le cochon c'est one shot. Hop, vous faites le chemin, vous êtes de l'autre côté. Là c'est de l'autre côté gauche. C'est une attaque détonante en fait. En gros, t'as premier coup, plus après t'as un petit souffle de magie qui peut passer même à travers les décors. Donc faites gaffe. En tout cas, ça tombe de. Il tombe. Ah non, pas lui. Voilà, on peut redescendre et aller affronter. L'objectif est de jouer à Achille avec lui. Lui niquer les talons. Et quand vous lui faites assez de dégâts aux talons, il va s'écrouler. Voilà, il va faire une petite attaque là de temps en temps. Ouais, en train de. Ok. Reculez un peu, il s'écroule, vous faites le tour de son bouclier. Tour de son bouclier. Ah putain, je vais pas y arriver, sérieux. Hop, et vous lui mettez tout dans la gueule.
combat, j'aurais pu limiter le one shot, hein, sur tous les balls par contre. J'ai failli crever comme une merde, mais en mode vilain en plus, hein, putain. Quand même mort debout, on peut lui laisser ça quand même. En tant que bon gardien, il s'est remis debout pour voilà, pour l'ultime à coup, l'ultime à coup dans la gueule. Je sais plus ce qu'il y a devant, donc on va retourner un petit peu dans Nexus pour reposer nos âmes. Elle heure, on va éviter de bouffer quand même l'âme du boss, ça sera quand même pas mal. Monter de 4 niveaux, c'est quoi, je vais monter un là. Je veille soigneusement sur tout. Est-ce qu'il y a le quatrième âme de boss qu'on a? Troisième boss, démon de fer, démon gris, donc avant-garde. Démon de fer, c'est quoi? C'est phalange. Non, c'est pas phalange. Démon de plomb, phalange, avant-garde et le gardien à la tour. Et de l'autre côté, on a donc l'âme du démon incolore qui était un objet. Hop, on va poser ça là. Et là. Oui, je vais peut-être le garder. Tac. Les armures. Catalyseur de bois. Le deuxième arc à poulie. Les flèches, je vais les garder, je vire les carreaux. Voilà. Vous avez un cœur d'or. Je peux vous forger. Rien ne vous tente. Enfin. Apprendre des miracles, assigner des miracles. C'est parce que peut-être moi je cherche le sorcier. Je crois que le sorcier il est dans la prison. Hein. Je crois que ça fait partie des mobs, des mecs qu'on récupère un peu plus tard. Je crois pas qu'on l'ait au début. Au début. Ah, quoique, il y a rien dit peut-être. Vous venez... Alors, je vous effraie, Claire. Ah, apprendre à sortir de flamme, enchantarme, force du démon, manteau, protection, pellicule d'eau. Ah, tir de flamme, ça peut être pas mal, hein. Assigner le sort, tir de flamme. Voilà. Vu qu'il reste très sensible aux flammes, on va commencer par ça. Dans celui-là, je sais, je crois pas qu'il y ait la lance de foudre dans celui-là à comparer des autres Demon's Souls. Je crois pas qu'il y ait lance de foudre. Ce qu'on va faire les gars, on va faire une petite pause là. Parce que moi, comme je disais tout à l'heure, je vais passer voir ma petite sœur. On va faire une petite pause là. On reprendra le live évidemment tout à l'heure. On ira faire un petit tour à la prison de l'espoir, elle est là. Quel est le nom des maps? Terrain rocailleux. Je crois que c'est terrain rocailleux la prochaine zone qu'il faut que j'aille. Mais on ira acheter un œil un peu aux différentes zones. On va aller farmer des âmes dans la zone d'avant. Ah, c'est celle-là que j'ai pas envie d'aller. La Fireburn, j'ai pas envie d'aller. On ira voir après. Je pense que je ferai un petit loop hors live sur pour récupérer des âmes et monter mes levels. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. Je vous dis bien à tout à l'heure. Ciao tout le monde. Peace! Et chat qui meule en même temps. Surtout partager, liker et oublier.